Mesdames et messieurs la famille, plus passé 300 moun mouri, en pile ka écrasé, en pile infrastructure endommagée, c'est bilan ça. Autorité dans pays d'Haïti fin que saute communiqué là, non ça qui gagne rapport avec tremblement de terre ça qui frappé pays d'Haïti bien bonnet matin samedi 14 août 2021. J'en regarde le sous écran, c'est en pile désolation, en pile moun a crié, gen moun ki perdi famille, gen moun ki perdi ami, gens que ça t'est passé dans l'année 2010 là, eh bien la nature yon l'autre franco frappé pays noir dans un moment qui extrêmement compliqué. Malheureusement, encore une fois, après l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse, environ un mois après, nous retourner dans l'actualité internationale là. Pour qui raison? Eh ben, yon catastrophe naturelle qui frappe nous. Là, image ça, vous regardez sous écran, mesdames et messieurs, c'est hôtel ça. C'est hôtel Le Manguier, hôtel ancien magistrat ville Okaela. On a parlé de Gabriel Fortuné, ancien sénateur également. Lui-même qui perdit la ville dans tremblement de terre ça. Nous pral pote image pour vous, nous pral fortan des autorités qui t'a parlé, mais ou même qui a gardé m'la, qui perdit un ami, qui perdit une famille n'abdou. Franchement, nous partager douleur avec vous parce que nous connaissons qui ça représenter, nous connaissons qui ça y est, les que ou perdit un proche ou un monde que ou remet en pile, surtout dans en circonstances pareilles. Avant qu'une fois tendez autorité, n'a prêté dans ville Okaï, n'a prêté dans hôtel Le Manguier pour nous dire oui, m'a même besoin d'y se confirmer parce qu'on gite une nouvelle là déjà. Ancien magistrat ville Okaï, la Gabriel Fortuné, li mouri, hôtel li a crasé plate. Et en pile l'autre concitoyen, en pile l'autre compatriote, excusez-moi, mourit également dans la ville Okaï. Nous parlons fortement des autorités qui a parlé, qui a présenté bilan qui est plus récent sur ça qui a passé. Ils ont annoncé qu'il y a plus de 300 personnes qui mourent et ils ont bail chiffre pour chaque département et qui frappé par ça qui a passé. Mais bien avant, mesdames et messieurs, faut que nous fortement des magistrats Okaï là qui t'a parlé. Et lui t'a parlé de Gabriel Fortuné et lui t'est pratiquement dans environnement hôtel là. Nous gagnons collaborateur, nous gagnons qui en souffrant. Passion Info Plus, Wendy Fell, unissons nous, qui t'est déplacé et grâce à Gaking, nous avons porté image ça pour nous, nous avons tant des magistrats et puis en même temps, nous avons regardé comment hôtel et Gabriel Fortuné a écrasé les amis. Nous avons attendu un magistrat, nous avons regardé image ça et puis après, nous avons fait tant des autorités qui t'a pas parlé tout à l'heure. Côté, nous avons présenté un bilan qui est plus récent et nous avons parlé de quantité de monde qui mourit, qui effort que y a fait jodi à la nan minute que n'a parlé a pour capable et poter moun ki victime yo secours et mais situation li extrêmement compliquée ou même qui à l'extérieur capable dit ah ça mais ça passé li extrêmement grave puisque un tremblement de terre ça qui passé jodi a li passé presque à même force. Il passait presque à la même force que ça qui était ravagé département l'Ouest PIA pour le prince dans l'année 2010. Entendez, magistrat, regardez, ma soeur, et puis n'a pas retourné avec autorité pour bilan, pour être capable de gagner plus d'informations sur les dégâts qui fait dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Justement, moi c'est Max Atis et on. C'est un ami Gabriel, mais c'est plus que un ami, c'est un frère. Gabriel avec moi, nous vivons des moments forts, surtout en politique. Nous avons partagé un pile bagaille en commun. Et je dirais que ces trois dernières années, Gabriel, c'était pour moi un frère. D'ailleurs, hier soir, bien tard, je suis sorti dans une réunion politique. Et puis, l'homme rentré, je suis avec Gabriel toute information. Et matin, à mon grand étonnement, m'étais pas au prince là caille moins, l'homme est tremblement de terre là, tout de suite après, puisque pas de penser que Okaï, le sud, Grandance, Jérémy t'est touché, tout de suite après, pour m'relier Gabriel, sur divers numéros de téléphone que, différents numéros de téléphone que le gain, malheureusement, pas arrivé jeune Gabriel,
Et l'homme fait tout contact yo. Puis malheureusement Gabriel il est mort. C'est un hôtel qui gagne un plusieurs pavillons comme on capable remarquer, mais ça c'était un building de 4 étages et t'as une chambre bien entendu de dans tout étage et ça nous est le 5e étage là. C'est là Gabriel lui-même il était gagne appartement, il ses appartements privés. Matin, il était gagne une réunion avec d'autres camarades, d'autres amis. Et puis malheureusement, c'est là tremblement de terre l'emprunt. Et puis ce qui devait arriver arriva et puis on a perdu Gabriel. Vous dites que il était gagne rencontre avec plusieurs d'autres camarades. À pas des anciens sénateurs qui l'autre monde encore nous enregistré qui victime notre problème de terre ça. Un autre monde que c'est un autre ami encore c'est Théma. Hein. Théma c'était un monde qui était très très proche de Gabriel. Il y a d'autres monde que n'a cherché là nous pas connaît puisque un autre bagaille qui fait un pile tort, un pile mal, c'est lorsque nous gardé nous sous site là. Et puis nous regardons, il n'y a pas la présence de l'État. L'État n'est pas présent. Et ça, c'est aberrant, c'est une aberration, puisque dans le moment que nous avons parlé, il y a des gens qui sont en bas des combres. Et il y a retiré Théma, il y a une femme de chambre qui mourit, il a retiré le tout. Actuellement, Gabriel est dans la morgue. Mais il faut que nous soulignions que pratiquement morgue dans la ville débordé dans la mesure où il y a un morgue qui touchait, qui croisait. Vous dites que vous n'avez pas remarqué l'absence d'autorité étatique qui pas bon ici, mais ça n'a pas empêché que nous soyons capables de dire des étrangers qui sont sur y et qui est-ce que c'est des organisations internationales, tout ça parler ensemble avec nous. Bon, ce sont des ONG, puisque ONG est un petit peu partout dans le pays, hein, dont au CAI. Moun yo tande des tremblements de terre là, yo était déjà au caille puis voilà, ouais d'ailleurs c'est avec deux plamen yo. Hein, c'est avec deux mains yo et puis y a essayé pour ouais si gagnent l'autre survivant. Hein, si gagnent plutôt pas l'autre survivant, d'autres survivants. Mais n'empêche que c'est un fait, l'État il est pas là. L'État pas là et ça comme moins douli, c'est une honte. Pour après une telle catastrophe pour l'État pas là. Donc malheureusement Gabriel t'a déjà été toujours dit lui, c'était son l'État qui effondré, c'est un l'État qui a réinventé, je dirais même a inventé. OK, est-ce que nous-mêmes nous capables dire ces citoyens zone non qui a metté main ensemble avec des organisations internationales pour voir s'il y a et comme tu as dit ça joindre des monde qui en bas des comme c'est ce que me dit on va comme ça. Non, nous ne sommes pas capables de dire des organisations internationales, dire des organisations internationales c'est un gros mot. Et sont série de monde missionnaires qui dans ville là, ce sont des missionnaires qui dans ville là, ils ont entendu ça et puis ils ont venu. Et puis Mounio, c'est avec Plameyo, avec un Timato Kimbenameyo, Yonpel. Et après, si y a des survivants ou bien si y a un mort hein, pour être capable d'évacuer. Mesdames et messieurs, nous t'attendons des magistrats qui t'ont parlé. Nous avons imaginé, voilà, lit extrêmement raide. Maintenant, nous allons des autorités qui t'ont parlé. Et ils ont fait état de plus de 1800 blessés. Il y a environ 304 moun qui mouraient. Et parmi moun sa yo, bien évidemment, il y a l'ancien sénateur Gabriel Fortuné. Entendez, on a retourné tout à l'heure. Depuis, je nous ai annoncé 8h30 après le tremblement de terre là, le Premier ministre a fait appel à toute équipe gouvernementale là. Et depuis le ça, nous avons travaillé. Et tout à l'heure, le Premier ministre a sauté au volet. Et trois principaux départements normalement qui touchaient par tremblement de terre. Jeudi à, et nous pourrons aller, donc après-midi à là, nous pourrons aller accueillir docteur Chandler, qui est directeur général protection civile, qui pourra faire un rapport de situation hein, pour journée jeudi à. Merci. Merci, ministre. Bonsoir à tous les amis de la presse et bonsoir à tout le monde qui a regardé nous, qui a écouté nous là. Et rapidement, à 6h, jeudi 14 août, là, nous sommes capables de dire que le bilan
et tremblement de terre qui secoué et presque le sud pays d'Haïti jodi an. Milan li augmenté considérablement et nous collecter chiffre et là kounya là malheureusement nous dénombré 304 moun qui mouri. 304 moun dont 160 là-dedans dans département sud, 42 là-dedans dans département Nip, 100 là-dedans dans département Grand-Ouest et 2 là-dedans dans département Nord-Ouest. Nous avons à peu près 1800 blessés malheureusement qui enregistrés et nous avons un paquet là d'ailleurs qui déjà pris en charge dans des centres hospitaliers dans et zone côté que et incident produit mais gagne là d'ailleurs tout qui déjà évacué vers des centres hospitaliers qui m'a dit qui spécialisé gagne un pile dégâts structurels ça nous dit structurel ça c'est que gagne des bâtiments et des œuvres de travaux publics qui atteignent tout et nous enregistrer plusieurs l'hôpital ou l'hôtel l'église particulièrement dans le département sud le département Nip avec le département Grand-Ouest qui justement qui était atteint donc nous gagne équipe première priorité que n'a pas adressé là c'est que équipe sauvetage et secours nous yo déployé yo à pied d'œuvre yo travaille jusqu'à présent dans trois quatre zones qui affectées particulièrement sud Nip avec Grand-Ouest OK et nous inviter tout le monde pour y rester toujours continuer à suivre Nagadi et information que n'a baio et recommandation que n'a bien pour nous faire par rapport à évolution situation yon bagaille que nous t'avle quand même rappeler c'est le fait que là nous a évolué quand même dans contexte météo qui particulier parce que quand même déjà nous fait passer et tempête tropicale Fred qui allait mais nous avons l'autre tempête tropicale qui est les Grace qui formait et qui a dirigé vers Grandes Antilles actuellement à soir elle t'a supposé passer barrière Petites Antilles si Likembe cap li avec et vitesse que il gagne d'ici lundi journée lundi pays d'Haïti ca et subi influence li tout donc quelque part on t'a dit c'est littéralement metté à ces sous clou parce que ça fait deux catastrophes qui vini cap vini pratiquement l'une après l'autre pendant que nous avons géré un séisme de magnitude 7.2 j'aime te dire qui frappait presque le sud là. Donc à date à Kounia là que n'a parlé là, nous gagne en termes de dommages structurels, nous sommes parlé de bâtiments qui détruits, on décompte déjà fait état de 723 cailles qui est endommagé, gagne à peu près 800 là d'ailleurs qui gagne 800 l'autre cailles qui détruite dans Nip, gagne à peu près on soixantaine de maisons qui détruit que risque qui détruit dans Grand-Ouest et j'en te dire gagne 300 santé dans Grand-Ouest qui endommagé, gagne trois l'école qui détruit, gagne yon l'église qui endommagé. Et on dépôt direction départementale agriculture, là on a parlé pour Grand-Ouest. Pour département Nip, nous avons plusieurs infrastructures particulières, particulièrement nous avons 4 écoles, un hôpital, 7 l'église, ok, et gagner plusieurs éboulements sous des certains tronçons route qui fait que route est bloquée et déjà on est capable de dire que il y a des équipes de travaux publics avec le ministère de la Défense qui mobilisent pour faire travail débloquer route en façon pour permettre accès à tout le monde qui a travaillé dans la question aide avec appui by victimes. Dans le département sud, nous avons deux hôpitaux qui détruits, trois l'église et tronçon route qui allait vers Papouapiment li endommagé. Nous connaissons que route qui relie Kay à Jérémien, particulièrement au niveau de rivière Glace, point justement li endommagé. Et là, je nous dis, gagner tout un travail qui a fait pour rétablir la circulation. Gagner en coordination qui a fait là justement non seulement au niveau central mais tout au niveau terrain donc depuis le matin genre que nous tous nous connaissons le premier ministre là vini pour le présider Kounan avec le ministre intérieur et avec tout ensemble ministre qui dans le gouvernement en façon pour nous capable mettre ensemble toutes ressources que nous gagnons tout ça que nous gagnons pour que nous capable coordonner action gouvernementale là mais tout travail avec zanmi nou à l'étranger qui a ba nous coup de main et dans ce sens on capable dire que toute organisation non gouvernementale toute grande agence à côté nous yo avec nous là je dans moment m'a parlé là en façon pour nous coordonner aux ressources qui gagnent et m'a dit action qui gagne pour faire donc n'a demandé tout le monde continuer rester calme n'a demandé tout le monde continuer suivre information yo n'a continuer avec coordination bien entendu nous demandé tout le monde continuer tout même si nous voulons participer de manière solidaire à frère action nous qui dans difficulté dans différents départements de cité là yo nous t'aimer que ça fait dans l'ordre et dans la discipline prend contact avec bureau protection civile départemental ou bien communal ou parler avec eux et eux même à pied d'eau acheminer aide ou bien appui qu'on capable bail souterrain en façon je dis pour nous utiliser justement et matériel avec les outils que nous gagnons avec ressources que nous gagnons de manière efficiente et pour finir m'a rappelé que là pour le moment urgence
que nous avons adressé, c'est d'abord l'urgence médicale là, parce que je nous ai dit qu'il y a un appui particulier qui pour bailler le centre hospitalier qui dans le département de parler là, qui là, qui justement yo en difficulté, et gagner justement appui par rapport à la République, et bien sûr assistance à la population que nous avons travaillé sur lui et que nous allons quitter le Premier ministre parler de action qui, avec instruction que lui baille par rapport à l'action gouvernementale là, pour nous capables d'orchestrer et organiser réponse. M'a dit nous tout, merci beaucoup. N'a bien pour nous sortir information ça en ligne et m'a invité nous tous rester toujours en stand-by parce que protection civile était mobilisée pour nous capables de continuer faire cueillir des informations mais faire information passer bay population. Merci à tous. Merci beaucoup docteur Chandler et n'a continuer et remercier la presse là qui va continuer à accompagner le gouvernement dans ensemble de actions l'a bien pour le prendre pour porter réponse à situation ça. Donc n'a passé Premier ministre là, Excellence, Docteur Ariel Henry. Madame, fait le point avec nous sur ça nous fait depuis tremblement de terre. Depuis tremblement de terre, le gouvernement réuni nous a activé Kounan. Les nous activé Kounan, ça veut dire que tout ministère c'est là au Gambio. Et pour coordonner qui gens y a fait action pour sur le terrain. Le gouvernement prend décision de décréter état d'urgence sur l'Ouest, le département du Sud et le département des NIP et sur la Grand-Anse. Nous, au point de vue médical, c'est plus gros problème que nous gagnons urgence dans l'urgence. Nous commençons, le ministère de la Santé publique commençait à acheminer médicaments et personnel médical vers centre qui atteint yo. Livre personnel pour renforcer yo et moun qui besoin des soins plus spécialisés en urgence, nous rive évacuer un certain nombre et n'a pral évacuer d'autres encore jodi an et demain. Au niveau des travaux publics et de CNE, ils ont mobilisé tout équipement lourd qui était gagné dans l'ouest et les équipements lourds que vous avez dans les autres départements, au sud, la Grand-Anse, dans les NIP, pour être capable de retirer ça qui bloquait la route, ça qui fait qui empêchait les gens de circuler pour les ponts, côté gain débris pour retirer les débris. Donc, CNE, travaux publics mobilisés pour dégâts structurels. Ministère de la Défense venait en appui aussi par sur trois niveaux. Tout d'abord, les gains en équipe santé spécialisée dans catastrophe qui montait sur la région qui touchait eux. Les gains des engins lourds qui montaient tout pour faire des travaux au niveau de travaux publics sur audio et l'a assuré. Comme nous tous nous connaissons dans la période de Sahel, nous avons besoin supplémentaire de sécurité et la base sécurité. Nous avons une autre branche dans le gouvernement qui a intervenu. FAES a monté manger à Souéa dans le département Soti Port-au-Prince pour le département du Sud, des NIP et Grand-Anse. Il est vrai que Grand-Anse a un petit problème route. Mais qui t'a dû résoudre demain après-midi. Grand-Anse coupée de reste paysan parce que à cause de déboulement et d'effondrement de pont. Donc FAES donc a monté manger, mais nous avons d'autres partenaires comme World Food Program, PAM, gain Food for the Poor qui a aidé nous pour que nous avons assistance à la population. Nous tous nous connaissons nous avons problème sous Matissan. Et sous Matissan, nous décidons que voie à perméable, c'est-à-dire que faut toute aide ça yo qu'à monter. Et la police ainsi que la FADH mobiliser et n'a mettre d'autres moyens pour que route ça permette que aide que nous voulons écrire à frère nous se nous qui est dans difficulté que le river. Nous avons dit un dernier bagaille. Nous apprenons le tremblement 2010.
Et après nous apprenons de tremblement de 2010, nous dit que toute aide qu'il y a à nous, l'a passé par un point focal. Nous pas voulons gérer aide là, mais toute aide qui a venu pour Haïti doit passer par Koun. C'est-à-dire que monde qui voulait aider Haïti, toute assistance externe, il a pris contact avec Koun et il a pour déterminer qui ça a besoin. Parce que nous pas voulons gagner un bon médicament ou manger qui vient, qui gâte sous parking aéroport. Et c'est pour ça que nous voulons faire un bon coordination. Nous allons continuer à faire le point. Nous allons continuer à travailler. Nous avons un membre du gouvernement qui vient pour monter dans le département. Nous avons des membres du gouvernement qui sont déjà dans le sud. Nous avons fait une rotation. Nous avons qui peut aller. Médicaments ou manger qui viennent, qui gâtent sous parking aéroport. Et c'est peut-être ça que nous voulons faire une bonne coordination. Nous allons continuer à faire le point. Nous allons continuer à travailler. Nous avons des membres du gouvernement qui viennent pour monter dans le département. Nous avons des membres du gouvernement qui sont déjà dans le sud. Nous avons fait une rotation. Nous avons qui peut aller dans presque du sud, là, à Soya. Et nous avons continué présent physiquement, gouvernement, physiquement, dans le département affecté. Et nous avons nous informé de qui Jean Bayo a évolué. Merci beaucoup. Merci, Premier ministre. Donc, merci encore à tout le monde de la presse. Et nous avons dit que toute information qu'a bien pour bail, c'est ici, dans le cadre d'une série de conférences de presse que Protection civile a fait. Ça veut dire que tout chiffre, toute donnée qui est important pour nous. Donc, le prochain rendez-vous, c'est demain, si Dieu veut, 10h, ici, à Nankouna. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous t'attendons autorité qui t'a parlé et nous t'attendons, voilà, un petit gens terrible. Hein? Voilà, un petit gens terrible. En tout cas, rendez-vous plus tard pour une autre vidéo. Et n'a pas allé. Courage surtout en supporter. Je m'ai dit ça tout à l'heure, moi recevant un message, un ami qui dit moi dit et dernier temps ça dans vidéo ou publié, nous gain impression qu'on découragé. Et merci ami, merci parce que vous pensez à moi, merci parce que vous voyez message ça pour moi. Est-ce que me décourager? Bon, en tout cas, me senti que me frappé, me senti que ça qui passe en Haïti au dérangé. Il pas facile, chaque jour nous vinn là, n'a parlé de désordre uniquement qu'a fait dans pays là. De brigandage n'a fait de façon que n'a crasé pays, n'a parlé de pays nous qui a effondré de plus en plus. Nous pas jamais paraître pour n'a parlé d'un bon bagage donc qui passe dans pays là. M'a réfléchi, me dit tête moi bon. Est-ce que haïtien il pas petit bon Dieu tout? Est-ce que haïtien pas petit bon Dieu? Comme si gentil américain, petit français, petit canadien est toujours on prend enchanté pour la garde télévision et la Cali parce que il a parlé de en série de bara extraordinaire qui a passé la Cayo. On prend comme si nous-mêmes nous pas fier comme ça. Pour nous regarder la télévision et puis nous, ouais, c'est de bon. Il a parlé de nous parce que nous avons fait de très très bonnes choses. Comme si nous n'avons pas un droit ça en tant que monde. Nous n'avons pas gagné le tout. Hein? Je dis à là, surtout Haïtiens qui vivent à l'étranger. Yo. De pourtant, nos journalistes disent qu'ils parlent de Haïti dans la télévision. C'est des mains dans la tête. Parce que nous avons dit ça, nous avons dit de nous. Hein? Bon, certaines fois, nous comptons de « Ah, il y a tel documentaire qui a fait sur Haïti, puis t'as là, et puis nous a regardé. » Ça nous pense que t'as pris le passé. On voit une mauvaise image, nous pense que t'as pris le passé pour te montrer que nous est allé à l'extrême. Qu'on serait de bagaille qui a fait nous découvrir nos séries de documentaire d'Haïti. Nous dit « Quête, monsieur, ça a payé pas maintenant. » Ça, yo, en tout cas, yo, moralement, il y a frappe, on aigle.
frappe, on aigle. Je vous aime, les amis. À bientôt.